Et yo minos, c'est Dridri et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous dire comment on débloque le trophée. Quelques petits conseils et astuces pour débloquer le trophée danseur festive dans le monde de réponse. Tout simplement, je vais vous donner quelques différents petits conseils. Et au final, ça vous permettra donc de débloquer plus ou moins facilement le trophée. Vous allez donc devoir vous rendre à l'endroit où la toute première fois vous avez fait la danse. Ensuite, une fois que vous êtes ici, à cet endroit-là, vous allez devoir parler à Réponse, qui va vous demander si vous voulez danser de nouveau. Vous allez dire bien sûr que oui. Et donc, vous allez devoir alterner et aller vers le plus de monde. Donc en gros, vers le plus de personnes qui dansent. Tout en appuyant sur la touche croix ou rond en fonction de la couleur des cercles par rapport à leur propre danse. Et une fois que vous avez pris quelqu'un dans vos bras, enfin pour danser avec vous, des petits cercles roses vont apparaître. Et il faudra appuyer sur carré dans les cercles roses pour gagner des points et augmenter un petit peu le timer. À chaque touche carré que vous allez appuyer dans un cercle rose va vous rajouter quelques petites secondes au final. Et par contre, n'utilisez pas de suite la touche triangle quand ils vont vous demander de divertir la touche triangle pour le final, pour la danse du soleil. Et ne faites pas divertir le public avec les tonneaux, parce que cela va vous faire perdre trop de temps et c'est inutile. Par contre, vous pouvez vous fail. Hein. Si imaginons vous allez vers une personne avec un cercle bleu, vous pouvez appuyer sur le rouge. Vous allez voir que je vais me fail plusieurs fois que pour cette danse-là et pour la danse du soleil, donc la danse finale. Et il va falloir faire. Vous allez voir combien de points je vais gagner. Comme vous voyez là, à la base, je me suis failli volontairement à certains endroits pour vous montrer que voilà, vous avez droit quand même à vous tromper et à vous fail pendant pour essayer d'avoir le trophée. Voilà, donc là on va vers elle. Pourquoi ça j'ai fait ça? Parce que les cercles roses étaient trop loin. Voilà, toi aussi c'était trop loin, donc autant faire à la chaîne. Et vous allez voir, on appuie carré, on gagne des secondes, ce qui est cool. Donc voilà, allez vers le plus de gens. S'imaginons, vous avez des danseurs avec qui est tout seul ou à deux, et vous avez un côté avec trois danseurs, allez du côté avec les trois danseurs, ce qui vous permettront, enfin ce qui vous permettra de retourner en arrière plus rapidement et de gagner un max de points. Là vous voyez, je suis 24 à la chaîne, j'ai 35 000, c'est déjà très très bon comme j'ai fait. Là vous voyez, là je me suis trompé. Là aussi, pour vous montrer, là je me suis fail exprès. Les fails sont volontaires, hein, même si je me suis déjà fail une fois ou deux dedans sans faire exprès. Mais les autres, vous allez voir, et quand je vais être au milieu, là quand il va rester une seconde en haut à droite du timer, appuyez sur triangle. Maintenant. Et voyez, maintenant on va être au milieu. Et par contre, il va falloir appuyer triangle au bon moment pour faire le finish avec Réponse. Tout simplement. À un moment, il y aura marqué appuyer sur triangle. Ça cumulera vos points et vous aurez un max de points. Vous attendez, vous calculez le nombre de secondes qui reste après le triangle dans ma vidéo et vous verrez quand appuyer. Et moi, vous allez voir que je vais débloquer... Voilà, le trophée. Là, j'ai tous les points qu'il faut. Il faut 70 000 points. Et comme vous voyez, j'ai 71 850 points. Ce qui va nous permettre de débloquer le trophée danseur festive. Tout simplement. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est pas compliqué à le débloquer. C'est pas du tout compliqué. Il vous suffit juste de faire comme j'ai fait. D'avoir un maximum de points comme j'ai fait avant de lancer la danse du soleil. Et tout ira bien. Et si je me serais pas fail, j'aurais fait plus de 71 000 points, j'aurais été dans les 75 000, voire plus. En tout cas, j'espère que cette petite astuce vous aura aidé pour pouvoir gagner le trophée. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.